L'être de Dieu et son Christ, les volumes de vérité. Vivre avec et selon ses paroles. Davantage de paroles de sagesse de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Le jour du salut. Le jour du salut de l'homme a quatre feuillets. Cela a été ordonné avant la fondation du monde, accompli à ma naissance, terminé à ma mort sur la croix, et solidifié éternellement par ma résurrection, dit le Seigneur Yahushua. Le Rédempteur. Voici. J'étais venu, le Fils qui était exempt de faute, pour porter la culpabilité de tous les enfants du Père. Le juste pour l'injuste, l'innocent pour le coupable, le Fils de l'homme pour le Fils des hommes, dit le Seigneur Yahushua. La vérité dure éternellement. Le pouvoir d'un mensonge est aussi fort que ceux qui le croient. Mais la vérité vous libérera. Tout mensonge est né du malin et périra. Mais la vérité dure éternellement. Anathème. Ainsi dit le Seigneur, comme il est écrit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et puisqu'ils ont rejeté la connaissance, je dois moi aussi les rejeter. Pour m'avoir abandonné totalement, ils sont écartés. En raison de leur fierté, ils me rejettent. Et dans leur arrogance, ils se cramponnent à leurs anciennes voies, négociant avec le large chemin. Les murs de Jérusalem sont donc démolis. Ainsi, le vignoble du Seigneur est foulé. Voici. Le fût déborde, chaque cuve est déversée, tout le vin nouveau s'évapore. Et pourtant, mon peuple n'est pas sauvé. S'abandonner. Ici est la sagesse. Pour pouvoir quitter ce monde, chacun doit d'abord s'en séparer dans l'esprit, abandonnant de plein gré leur vie dans ce monde, embrassant pleinement le mien, venant à moi librement, sans aucune forme de malice dans leur cœur envers autrui. Alors ils seront pris, dit le Seigneur. La véritable amitié. La véritable amitié ne vient pas par les paroles prononcées contre un groupe de personnes unies, mais elle commence plutôt avec le cœur et est trouvée dans la quiétude de l'esprit où ma paix répare celui brisé et ma gentille caresse réjouit le cœur. Car tous ceux trouvés aux pieds du Seigneur sont couverts de ma grâce, et ceux qui demeurent dans mon amour sont en effet d'un seul cœur, dit le Seigneur.
Marchez humblement avec votre Dieu. Écoutez et comprenez. Au moment où la fierté entre dans un homme, et au moment où il se tient devant moi pour regarder ailleurs, au même moment, ma main est retirée. Car je vous ai montré, mes serviteurs, ce qui est bon et ce qui est nécessaire. Que vous agissiez droitement, que vous aimiez la miséricorde, et que vous marchiez humblement avec le Seigneur. Mais comment quiconque pourrait-il contempler ma face tout en regardant ailleurs, cherchant la gloire pour lui-même? Et comment celui qui a pris le pas devant moi pourrait-il marcher dans mes pas? Bien-aimé, comment celui qui s'enfuit de moi pour prendre un autre chemin pourrait-il prendre ma main? Dit le Seigneur. La foi. Quand mon serviteur ne cherche plus à voir avec ses yeux, ni entendre avec ses oreilles, l'accomplissement de ces choses écrites, alors il saura que sa foi est proche de la complétude, dit le Seigneur. Car celui qui voit avec ses yeux manque de confiance, et celui qui a des oreilles impatientes manque de compréhension. Mais le serviteur qui croit vraiment n'est plus lié par le besoin de confirmation. Il ne recherche pas de signes et ne s'assied pas oisivement en attendant les nouvelles. Car sa confiance est totale, sa compréhension complète, et il est en paix, marchant dans les voies du Seigneur. Marcher libre. Celui qui porte ses propres charges doit aussi supporter la chaleur du jour. Mais celui qui lâche prise, coupant tout lien qui le relie à ce monde, marche libre et se verra donner des ailes d'aigle, dit le Seigneur. Antidote. Juger un autre homme serviteur de Dieu empoisonne le cœur et corrompt toute bonne intention. Mais juger son propre jugement, faisant captive chaque pensée, neutralise ce poison, le rendant sans effet. Discernement juste selon ce que l'Esprit révèle, dit le Seigneur. Les mains oisives. Les mains oisives manquent de pain, et un cœur oisif manque de confiance. Leurs dos sont toujours courbés, leur contenance effondrée. Leurs paupières sont devenues très lourdes. Mais l'amour renforce l'esprit, et laver les pieds les uns des autres est bon pour l'âme, renouvelant le corps tout entier, dit le Seigneur. Une union désirable.
Ainsi dit le Seigneur à ceux qui le cherchent. Demeurez-vous en moi? Avez-vous reçu de ce que j'offre? Car nul ne pourra, en aucun cas, entendre l'Esprit parler avant d'avoir calmé son cœur et fait taire les pensées de son esprit. Alors comment marcheraient-ils dans ma volonté s'ils sont incapables de discerner? Mais tous ceux qui me regardent avec tout leur cœur et toute leur âme me trouveront certainement. Et tous ceux qui cherchent ma volonté en toute confiance la connaîtront. Et dans le lieu secret de ma présence, nous romprons le pain ensemble, mis à l'écart des nombreux complots du malin, loin des bruits de ce monde. Car c'est là que la compréhension silencieuse abonde et la volonté du Seigneur est pleinement manifestée. Là où celui brisé reçoit la paix, et chaque péché est absous dans mon étreinte. Là où le cœur de chaque fils repose en sécurité entre les mains du Père, et où les cœurs de mes filles sont restaurés et brillent à nouveau selon ma ressemblance. Une union désirable, accomplissant chaque désir du cœur de mon amour, dit le Seigneur. Considérez mon amour. Considérez mes mains et mes pieds, et considérez mon amour. Car les cicatrices de ma passion demeurent, une alliance sainte et éternelle, écrite dans le sang de l'agneau. Goûtez et testez, mes bien-aimés, buvez, jusqu'au moment où ce qui est voilé cesse de l'être. Car mon amour est écrit dans chaque blessure que j'ai endurée pour vous, déversé dans chaque goutte de sang que j'ai versée pour vous, révélé lorsque vous avez percé mes mains et mes pieds. Bien-aimés, je suis mariée à vous. Une union scellée pour toujours dans le sang que nous partageons, dit le Seigneur Yahushua. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu est humble et silencieux jusqu'à ce qu'il soit appelé à parler. Un homme de petite condition qui marche doucement jusqu'à ce qu'il soit appelé à agir. Un homme modeste qui est complètement amoureux de moi, qui ne fait pas sa propre volonté et ne cherche pas son propre chemin. Un homme qui attend après le Seigneur et n'hésite pas lorsque l'ordre arrive de la bouche du Seigneur son Dieu. Un homme après son propre cœur, mon serviteur, mon ami, dit le Seigneur. La récompense. Celui qui fait confiance dans le Seigneur recevra des ailes qui guérissent et s'élèvera au-dessus de cette tempête. À l'appel du Très-Haut,
Il s'élèvera sur les hauteurs des cieux avec le Seigneur à côté de lui. Oui, la beauté sera sa demeure, et dans le sanctuaire de la miséricorde de Dieu, il adorera celui assis sur le trône. Dans un unique accord et avec un seul esprit, tous adoreront le Dieu de Jacob, partageant les profondeurs du Mashiach. Tout comme l'amour coule d'un cœur à l'autre, car Yahweh seul est Dieu, celui qui a posé les fondations de la terre, celui qui est et était et qui vient, le Tout-Puissant, Yahushua Yahweh. Ainsi, bénis sont ceux qui échappent, car ils ont appelé le nom du Seigneur en sincérité et en vérité, et ils ont tout abandonné pour le suivre. En effet, ils ont reçu leur récompense. L'amour les a sauvés. Ceux qui étaient remplis seront laissés vides, de sorte qu'ils puissent être vraiment remplis. Et ceux qui étaient considérés comme étant les premiers seront les derniers. Mais ceux qui ont été finalement délaissés seront les premiers à prendre part à la gloire. Et ceux sans connaissance se verront donner une grande connaissance, car l'amour les a sauvés. Mais ceux qui ont atteint une grande connaissance seront réduits à la honte, de façon qu'ils puissent être eux aussi glorifiés en ma présence, car l'amour les aura sauvés, dit le Seigneur. Offrir un cadeau. Un cadeau exigé n'est pas du tout un cadeau. Et celui qui est forcé à recevoir un cadeau ne le reçoit jamais véritablement. Ainsi, celui qui offre un cadeau ne demande pas son acceptation, de peur que le cadeau ne soit pollué et qu'une division ne survienne, causant la séparation et l'offense de chacun, dit le Seigneur. Acceptez le cadeau. Qu'est-ce que la vie sans l'amour? Et qu'est-ce que l'amour sans la libre volonté de choisir l'amour? Je vous le dis en vérité, un cadeau exigé n'est pas du tout un cadeau, mais un cadeau accepté, c'est là que vous trouverez la vie, l'amour et le salut, dit le Seigneur.